Explosion de joie dans les couloirs de l'Astrobal et pour cause, l'Asvel tient sa belle face au Mans. Défait samedi dans la Sarthe, les Villeurbannais se sont imposés hier soir sur leur parquet 74-68 en quart de finale retour des play-offs. Une victoire acquise dans la douleur au terme d'un match très engagé, le tout sous les yeux du président Tony Parker. On mettait pas un tir en première mi-temps, mais bon après un match de basket c'est deux mi-temps et en deuxième mi-temps ils ont montré beaucoup de cœur, ils sont revenus, on a bien défendu et on a enfin mis quelques tirs. Et après, Alex Hacker a été très très fort aussi à la fin, il a mis des tirs pour qu'on reste devant. Ce résultat met les deux équipes à égalité en termes de victoire. L'accès aux demi-finales se jouera donc en terre Mancelle demain soir. Un match qui s'annonce d'ores et déjà tendu. À nous de faire la même chose là-bas et puis comme je l'ai dit, ça fait déjà deux fois qu'on va là-bas de suite. Donc on est prêt, on est habitué à la salle, on est habitué à leurs supporters, donc maintenant ça va être la guerre mercredi. Le Mans-Asvel, le match décisif pour les demi-finales des play-offs, c'est demain à 20h50.